Et donc, je vais donc passer à un autre sujet, mais qui n'est pas sans rapport tout de même avec ce qui a été présenté par Camille Roupetel, même si donc le contexte historique est fort différent, puisqu'il s'agit ici encore d'un missionnaire, donc d'un abbé, d'un prêtre qui ne fait pas partie d'une congrégation religieuse, qui va partir dans un Orient qui est en fait occidental, puisqu'il va partir pour l'Algérie, et qui va jouer un rôle relativement important donc dans les relations entre islam et chrétienté. En tout cas, aujourd'hui, c'est une figure qui, disons, inspire l'intérêt de quelques-uns. Et je vais peut-être dire un mot aussi sur la façon dont j'y suis, dont je, les raisons pour lesquelles je me suis un peu intéressé, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour mieux comprendre son œuvre. Donc, les points de comparaison, c'est bien cette dimension missionnaire. Cela dit, donc comme il part au Maghreb, on n'est pas dans le même environnement, il n'y a pas de chrétienté locale, ou en tout cas qui soit différente du catholicisme romain que défend l'abbé Bourgade. Et donc ici, l'objectif, c'est la conversion des musulmans, et c'est ça donc qui va être la grande œuvre de l'abbé Bourgade. Alors, peut-être un mot qui vient aussi en écho à ce qu'a dit Camille Roupetel. Ce sont des sujets qui ne sont pas sans signification aujourd'hui. Et de fait, si je me suis intéressé à ce personnage, c'est une commande d'une certaine façon pour une encyclopédie donc sur les relations entre chrétiens et musulmans, donc avec toute une série de volumes du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Et donc pour le XIXe siècle, faute de trouver des auteurs capables, enfin spécialistes, disons, de cette œuvre, finalement, je me suis engagé à essayer donc de constituer une notice restituant à la fois la biographie de cet abbé Bourgade et aussi une présentation de ses principaux ouvrages, qui sont en fait des dialogues, des ouvrages qu'il a publiés donc entre 1846 et 1855, qui en fait donc mettent en scène un dialogue entre un prêtre catholique et des savants musulmans, mouftis, qadis, donc avec l'objectif de prouver la supériorité donc du catholicisme sur l'islam, mais d'une façon, j'essaierai de le montrer, qui est particulièrement, disons, délicate ou fine. Hein. On est dans le dialogue et non pas la parole en fait des musulmans est audible à travers ces dialogues. Le contexte donc est bien particulier. Hein. Donc c'est le contexte de la conquête de l'Algérie, donc après l'expédition de 1830, et c'est ça qui va donc nourrir la mission de l'abbé Bourgade, qui est en fait un homme d'origine relativement modeste, donc disons des notables de campagne du département du Gers. Il va donc être élève au séminaire d'Auch, donc dans le Gers, puis ensuite prêtre donc à Mirande, et il n'a qu'un désir, donc ce sera qu'il va pouvoir réaliser finalement en 1838, qui est de partir pour l'Algérie. Donc le désir, c'était de participer à l'expédition de conquête de Constantine. Là, vous en avez une image par Horace Vernet. Conquête difficile, hein, puisqu'il y a une première expédition qui échoue, et ce n'est que un an plus tard, en 1837, que le second siège de Constantine donc va aboutir à la prise de la ville par les armées françaises. En 1838, donc Bourgade parvient à s'installer à Alger. Et donc à Alger, il va trouver finalement un appui auprès de la famille de Vialard, et en particulier auprès d'une femme, Émilie de Vialard, qui est à la tête d'une congrégation qu'elle a fondée donc à Gaillac, donc encore dans le sud-ouest de la France. Elle s'est installée donc, elle a fondé une maison sœur, une maison fille à Alger. Et notre abbé Bourgade va devenir l'aumônier donc des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, hein, qui est le nom de cette nouvelle congrégation.
Cela dit, et je pense que c'est quelque chose à rappeler, enfin, il faut insister sur le fait que ce catholicisme au XIXe siècle n'est pas du tout un catholicisme uni, aussi bien à l'échelle de la métropole, on y reviendra, que sur le terrain donc colonial algérien, puisque très rapidement, Émilie de Vialard va se trouver en opposition avec l'évêque qui est nommé en 1838, donc Monseigneur Dupuche. En 1838, la France, donc monarchie de Juillet depuis 1830, avec un régime, disons, qui a des aspects anticléricaux, hein, qui se veut l'héritier tout de même de la révolution bourgeoise de 1789 et par certains aspects aussi de l'Empire donc napoléonien. En 1838, donc, la France réussit à imposer, malgré la volonté du pape, qu'un évêque soit nommé à Alger, qui dépende donc de l'archevêque d'Aix. Hein, donc là, on a cette tension entre une dimension gallicane, hein, contre un catholicisme ultramontain qui donc défendrait la prééminence du pape. Donc le pape est obligé comment dire ça, de s'incliner. Et cet évêque, Monseigneur Dupuche, va en fait vouloir imposer sa domination sur la congrégation féminine fondée par Émilie de Vialard, qui ne se laisse pas faire. C'est la sœur donc d'un grand colon, Augustin de Vialard. Elle a les moyens donc de son œuvre. Elle refuse donc d'être placée sous l'autorité de Monseigneur Dupuche, conservant l'autorité donc de l'archevêque d'Albi, donc dont dépend Gaillac. Ça donc se passe très mal et finalement Dupuche donc interdit aux sœurs de pouvoir communier, de recevoir donc la communion, et les sœurs donc vont s'expatrier et fonder une maison fille à Tunis. Ça se terminera mal aussi pour Monseigneur Dupuche, hein, qui est en fait est un homme qui a des fortes ambitions et dépense avant même d'avoir l'assurance des revenus nécessaires à ses dépenses. Un point qu'on peut retenir, et l'image en haut à droite un peu le rappelle, ce sera une grande différence avec la politique missionnaire de Bourgade. Lui, donc, va. Il est présenté d'ailleurs comme un homme charitable et ayant des qualités humaines, y compris par ses adversaires et par Augustin de Vialard. Il va en fait essayer d'attirer les plus pauvres et d'ailleurs ça attirera des critiques pour accueillir à l'archevêché des prostituées, des orphelins, des misérables. Hein, alors que la politique finalement qui sera menée par l'abbé Bourgade, au contraire, est une politique qui vise à entamer le dialogue avec des élites lettrées, hein, et donc en considérant que cette première politique finalement de trouver des convertis parmi les marginaux de la société locale n'est pas du tout ne porte pas de fruits. Alors là encore, un élément de contexte à ajouter, hein, c'est que aussi bien Bourgade que Dupuche doivent tenir compte des intérêts politiques de l'État français, qui sont toujours très inquiets d'un prosélytisme qui pourrait avoir comme conséquence de heurter les populations musulmanes. Et donc, ils sont donc aussi très contraints par les autorités politiques françaises. Dans ce tableau encore de contextualisation, j'ai voulu donc insérer cette image qui rappelle donc que dans les années 1830, donc lorsque Dupuche, oui, mais aussi Bourgade arrive en Algérie, on est dans un contexte donc où les nouveaux chrétiens colonisateurs vont s'inscrire finalement dans la langue, mais aussi dans l'espace d'une société musulmane. L'exemple le plus flagrant, c'est donc la transformation de la mosquée Kedjawa, donc à Alger, en une église qui deviendra la cathédrale Saint-Philippe. Donc là, vous avez le plan qui est dressé par Aimable Ravoisier en 1839, avant que l'église ne soit transformée pour finalement en rendre le plan plus catholique et moins musulman. On en verra une image à la fin de ce diaporama. Et nous voici donc à Tunis, avec donc
un abbé Bourgade qui se retrouve donc aumônier des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, mais qui se retrouve aussi le chapelain donc d'une chapelle Saint-Louis, et on fait un peu un écho à la croisade qui reste donc dans les mémoires, d'une façon sans doute très, très peu fidèle parfois aux réalités médiévales, donc dans cette mode néo-médiévale qui est vivante donc dans les années 1820-1840 encore. Donc on a eu l'érection autour de 1830 à Tunis d'une chapelle donc aux environs de la capitale, donc pour commémorer la mort de Saint-Louis, et cet abbé Bourgade est aussi donc le chapelain de cette chapelle que viendra visiter un des fils de Louis-Philippe en 1845, avec une représentation, une statue de Saint-Louis qui ne se trouve pas comme aujourd'hui dans le jardin de cet établissement religieux avec des terres donc données par le bey, mais qui se trouve donc à l'époque à l'intérieur de cette chapelle, donc invisible au regard des musulmans qui n'entreraient pas dans la chapelle. Et vous voyez ici donc une gravure de notre abbé Bourgade, donc alors qu'il est donc d'une certaine façon à l'apogée, dans un premier apogée de sa carrière, puisque donc à Tunis il a une œuvre donc importante à la fois scolaire et médical. Il crée une école de garçons qui va devenir un collège, qui va abriter, donc accueillir plusieurs centaines d'élèves autour de 1848-1850, et qui devra fermer donc dans les années 1860 avec la concurrence des frères des écoles chrétiennes, j'y reviendrai peut-être. Et par ailleurs, donc, il crée aussi un hôpital avec l'aide donc des sœurs, en arabe donc qualifié de tubiba, donc de femme médecin, un hôpital qui aussi aura donc un grand succès. Il le peut grâce à des financements qu'il obtient en voyageant pour collecter de l'argent. C'est pas quelque chose de très extraordinaire à l'époque, en particulier donc en allant à Lyon auprès de l'œuvre de la propagation de la foi qui a été fondée par Pauline Jaricot, et donc qui collecte donc auprès des fidèles des subsides qui vont permettre donc à l'abbé Bourgade de réaliser ses ambitions. Il fait un nouveau séjour en France en 1846, il est reçu par le roi Louis-Philippe, il est décoré de la Légion d'honneur, et cela lui permet donc de publier l'ouvrage dont je vous ai parlé en introduction. C'est en tout cas le premier ouvrage de cette trilogie dont je vous ai parlé, qui sont les Soirées de Carthage, dialogue entre un prêtre catholique, un moufti et un cadi. Alors, dans ces trois ouvrages, ce qui est intéressant, donc, c'est la forme du dialogue, alors qui n'est pas une forme inédite, mais un dialogue qui, à la lecture, ne semble pas absolument rhétorique ou absolument artificiel. On sent, à lire l'ouvrage, que cela reprend, disons que cela correspond à une certaine réalité. L'homme en fait, avec lequel Bourgade dialogue, c'est un certain Soleiman el-Hariri, donc le tisseur de soie, le soyeux, qui a une formation classique en ayant été l'élève donc de la mosquée université La Zaïtouna, et qui a une très bonne connaissance du point de vue de la formation religieuse et de la formation coranique, et qui par ailleurs donc s'est initié au français en suivant aussi l'enseignement du Collège Saint-Louis, donc cette école fondée par Bourgade, qui va travailler pour le consulat de France comme interprète et collaborer avec des Français travaillant au consulat, et qui va en fait devenir un très proche et un secrétaire de l'abbé Bourgade. Et en fait, en réalité, ces dialogues se fondent sans doute en grande partie sur des dialogues réels qu'ont pu avoir Bourgade et Soleiman El-Hariri, qui va d'ailleurs ensuite le suivre à Paris, où il sera donc professeur répétiteur d'arabe à l'école des langues orientales, il mourra à Paris en 1877. On y reviendra aussi très rapidement.
Alors, ce qui est tout de même intéressant, c'est que, d'une certaine façon, l'abbé Bourgade se démarque d'une certaine forme d'évangélisation et liée à la colonisation. Là, je vous montre d'un point de vue illustratif pour rappeler le contexte. Donc, une image d'Épinal commémorant le départ du premier convoi donc de colons en 1848. Vous voyez que l'archevêque de Paris est là pour bénir donc les colons, souvent en fait déchristianisés, qui partent en Algérie. Et là encore, à titre d'illustration, une image qui ne correspond pas du tout à la façon dont procède l'abbé Bourgade. C'est un tableau d'Horace Vernet qui représente donc cette première messe en Kabylie, donc on est quelques années plus tard, 1854, et qui met en scène donc le fondateur de Notre-Dame de Staweli, donc un trappiste à Alger, qui accompagne l'armée d'Afrique et qui donc, d'une certaine façon, cautionne aussi la colonisation dans son aspect militaire. Alors que l'abbé Bourgade, lui, en fait, donc, ne se présente jamais en compagnie de militaires et insiste toujours sur, finalement, une évangélisation qui passe par la sympathie. Alors, et ici encore, il va être parfois en porte-à-faux, ou en tout cas dans une certaine distance par rapport à d'autres catholiques ses contemporains. On peut dire, même si là encore le travail mériterait d'être creusé, qu'il s'inscrit dans la tendance libérale et dans cette science catholique donc défendue par Félicité de Lamennais, hein, c'est la formulation et celle de Lamennais, qui se comprend comme une réaction à la Révolution française, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, et qui donc considère qu'il faut prendre en considération d'une certaine tous les savoirs, il faut inclure tous les savoirs, y compris les plus nouveaux, et en même temps qu'en conservant l'idée que le catholicisme est l'aboutissement de la succession des révélations, et finalement l'histoire est pensée théologiquement en faisant donc une place à l'histoire des religions vue comme un moyen finalement de retrouver les traces de la révélation primitive. Alors, peut-être que ces formulations-là que je reprends de François Laplanche sont un peu complexes, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement très facile d'exposer tout, un peu platement comme je le fais, mais tout cela pour dire que une autre façon de le comprendre, c'est que donc Bourgade n'est pas là dans son dialogue avec les musulmans pour affirmer que le Coran n'est qu'un tissu d'ineptie et finalement que le Coran altère les évangiles, mais au contraire, alors, tout en considérant en effet que le Coran n'est pas du tout un texte de référence, il affirme qu'en fait le véritable islam, sa formulation est telle, c'est le christianisme. Donc il y a une sorte de retournement en essayant de faire comprendre donc aux musulmans que s'ils vont jusqu'au bout de leur foi, y compris par l'étude du Coran, ils aboutiront à l'évangile. C'est vraiment la façon dont on peut résumer, je pense, le plus simplement le propos donc des différents ouvrages de Bourgade. Et là, on voit donc on a quelques éléments sur la réception de ce texte dans les milieux catholiques, une réception, là vous le voyez, de la part de Monseigneur Pavy, qui a succédé à Monseigneur Dupuche, qui est une réception ambiguë, en disant donc, en considérant que cet ouvrage est utile, peut-être utile pour les missionnaires, mais en même temps en l'engageant, donc plutôt qu'à appeler à la fusion de l'Évangile et du Coran, plutôt à restituer à l'Évangile ce que lui a pris le Coran et à signaler les altérations qu'on rencontre dans le Coran. Vous voyez bien qu'il y a une différence dans la perception chez un Pavy ou chez un Bourgade. Alors, l'autre chose très importante, mais je le dis dès maintenant, c'est que cet ouvrage est traduit dès 1849 en arabe, puisque en réalité, l'ouvrage est adressé aux musulmans. Et donc, pour pouvoir trouver l'oreille des musulmans,
il faut que le texte soit en arabe. Et donc, c'est Sliman al-Hariri qui va traduire donc cet ouvrage, le premier donc des trois livres. Et ce qui est aussi très important, en particulier donc pour l'histoire nationale tunisienne, c'est que pour imprimer donc ce texte, Bourgade met en place ou importe donc une imprimerie, et c'est le premier livre imprimé donc en Tunisie, à Tunis, que cette traduction en arabe des soirées de Carthage. Là encore, sur toujours cet effort pour montrer un islam, sous un aspect humain et sympathique, on a la figure d'Abdelkader qui va intervenir dès le second volume. Donc, il est souvent cité dans La clé du Coran, le second volume de la trilogie. Ici, là, c'est juste aussi à titre d'illustration, je vous rappelle donc Abdelkader. Donc, est une figure très populaire en France, donc après sa reddition, sa captivité à Pau, à Amboise, la mise en scène par Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, bientôt Napoléon III, qui montre son caractère chevaleresque en autorisant Abdelkader à se rendre en Orient, donc à quitter sa captivité française. Et avant de partir pour Brousse, puis par Damas, il passe quelques jours à Paris en compagnie, donc va être reçu par l'empereur et va aussi assister donc à une représentation à l'opéra en compagnie de l'empereur, dans la loge de l'empereur. Et tout cela est tout à fait médiatisé par la gravure. Alors, l'importance aussi de cette œuvre, c'est le souci de médiatisation par l'imprimé, par l'écrit. Pourquoi ? Parce que on est encore dans un contexte ottoman, hein, donc dans la régence de Tunis en 1846, donc on a un souverain musulman, et la prédication missionnaire est en fait quelque chose qui n'est pas autorisé. Et donc le choix donc de l'écrit, c'est une façon de contourner cette impossibilité à prêcher oralement pour convertir les musulmans en Tunisie, dans le monde ottoman ou dans le reste du monde musulman. Ici aussi, un élément intéressant, hein, c'est que ces soirées de Carthage ne sont pas seulement traduites en arabe, mais elles sont aussi traduites en langue gaise. Donc, on le sait par un article publié à la mort de Bourgade qui cite une lettre donc d'un certain Guglielmo Massaia, un capucin italien donc originaire du nord de l'Italie, qui va avoir une œuvre donc de missionnaire dans l'actuelle Éthiopie. Je crois d'ailleurs qu'il a été récemment fait vénérable, qui par ailleurs a des discours très très sévères et très négatifs sur l'islam, et qui donc rappelle qu'il utilise les soirées de Carthage pour son œuvre missionnaire, donc sous un autre titre, sous le titre de Mufti. Il est question aussi d'une traduction en langue persane par un orientaliste Chotsko à Paris, mais vraisemblablement c'est resté le projet n'a pas été réalisé, et aussi une traduction donc dans la langue vulgaire en usage en Éthiopie, hein, non pas le ghez qui est la langue liturgique, mais donc l'amharique, là encore, sans que l'on sache si la traduction projetée a été réalisée. Alors, je passe un peu sur le contexte politique complexe, donc révolution de 1848, instauration donc de l'Empire, avec un abbé Bourgade qui, semble-t-il, donc prend bien le tournant de l'Empire, qui se retrouve dans des difficultés financières en Tunisie, qui n'est plus soutenu par les autorités consulaires, qui se retrouve donc aussi en concurrence avec le vicaire apostolique, on n'a pas encore d'évêque, qui se trouve être un capucin italien qui lui fait la vie dure et qui veut donc imposer une autre école que cette école, que ce collège Saint-Louis. Alors là encore, il y a des questions aussi politiques derrière cela, puisque au collège Saint-Louis, l'abbé Bourgade n'hésite pas à employer un franc-maçon, un juif livournais, hein, comme professeur ou comme directeur des études, je ne sais plus. Hein, donc on voit bien qu'il y a une ouverture qui n'est pas
considérée comme souhaitable par d'autres catholiques, ses contemporains. Donc il va se replier sur Paris en 1856, et en 1858, malheureusement je n'ai pas d'image, il va imprimer un périodique, un bimensuel, qui s'appelle donc le Birgis Baris. Dans un premier temps, ce périodique n'est imprimé qu'en arabe. Dans un second temps, on aura une version en arabe et une version en français. Et là encore, c'est l'idée donc de transmettre finalement une connaissance du christianisme et donc d'œuvrer à l'évangélisation à travers un périodique qui doit intéresser les arabisants et donc les musulmans dans l'ensemble du monde arabe. Et de fait, on a des éléments qui indiquent que ce périodique a été lu au Sénégal. Il y a des abonnés en Turquie, jusqu'en Inde. Donc il y a une diffusion qui mériterait encore d'être étudiée de plus près de ce périodique, qui en fait aussi... C'est contemporain de l'œuvre éditoriale de l'abbé Migne, qui se trouve être un voisin de l'abbé Bourgade. Tous deux vivent donc dans le petit Montrouge, l'actuel le 14e arrondissement parisien. L'abbé Migne va diffuser les Pères de l'Église grec et latin, donc avec des éditions à bon marché pour permettre aux clergés paroissial de pouvoir se cultiver facilement. Bourgade, en fait, alors on va parfois le critiquer par le fait que ce sont des éditions plus ou moins dont la qualité est plus ou moins bonne. Bourgade, en fait, dans ce journal de Birgis Baris, l'Aigle de Paris, va en fait reprendre des nouvelles publiées dans de la presse britannique ou française, hein, donc il y a une sorte de, en fait, de presque d'agence de presse, hein, qui fait office de, il récolte en fait des articles déjà publiés, les fait traduire en arabe et aussi dans une langue arabe qui n'est pas une langue artificielle puisque c'est Soliman El Hariri, mais c'est aussi un Libanais, Rashid Dahta, donc deux arabisans qui ont une culture classique, hein, qui vont rédiger ces textes en arabe, et on sait, en tout cas, on a une trace selon laquelle ce journal avait beaucoup plus, un lectorat beaucoup plus important que le journal officiel publié par le gouvernement général en Algérie, le Mobasher, qui lui aussi était donc un journal en arabe destiné à avoir comme lectorat un lectorat arabophone et musulman. L'abbé Bourgade donc va mourir en 1866 dans une certaine pauvreté. Mais il laisse quand même une très riche bibliothèque, donc là aussi qui mériterait d'être analysée et qui permet quand même d'avoir des éléments, de connaître en fait quelles étaient ses inspirations et ses lectures. Soliman El Hariri donc va vivre une dizaine d'années plus tard. Lui aussi laisse une bibliothèque, laisse des manuscrits. Là, je vous en donne aussi un peu à titre d'illustration. Donc deux exemples donc d'un manuscrit donc d'Euclide qui donc est entré dans les collections de l'actuelle bibliothèque des langues et civilisations en même temps d'ailleurs que les papiers de Soliman El Hariri donc qui restent encore à étudier. Et là peut-être pour conclure là encore rappeler comment s'insère en fait cette action missionnaire. Alors, j'aurais aussi, puisqu'il est question de circulation de savoir, hein, il y aurait tout un développement à faire sur la connaissance de la science, la vulgarisation scientifique via El Hariri et via le Birgis Baris, hein, tout en sachant que El Hariri va aussi publier à la fois des fatwas, hein, à destination des musulmans d'Europe. Sur la question de la consommation du café, la consommation de la viande est-elle licite, sur le fait du port, est-il licite de porter le chapeau, de porter un chapeau. Donc là, mais aussi des ouvrages qui correspondent à de la vulgarisation scientifique sur des questions de physique, de météorologie, de galvanoplastie. Donc il y a cet aspect-là aussi qu'il faut avoir en tête. Mais si je reviens sur la position de Bourgade, en fait, c'est une position qui est finalement assez délicate, entre d'un côté donc un catholicisme qui voit avec suspicion
finalement cette fusion de l'Évangile et du Coran, hein, et d'autre part une vision de la Bible et de l'histoire du christianisme, qui est celle donc défendue, exposée par Ernest Renan dans sa Vie de Jésus en 1863, hein, qui est pour Bourgade quelque chose tout à fait contre lequel il faut se battre. Et il publiera d'ailleurs en 1865 une réfutation de la Vie de Jésus d'Ernest Renan. Je vous ai mis aussi sur cette diapositive un autre personnage, Fahd Chidiac, qui est aussi un adversaire de Bourgade. C'est un maronite à l'origine, donc libanais, qui va travailler à Malte pour les missionnaires protestants, se convertir au protestantisme, travailler à Londres, à Paris, où il publie donc cette vie et aventure de Fariac, qui est un ouvrage important dans la littérature arabe du XIXe siècle, puis ensuite va passer au service du Bey de Tunis, puis au service du sultan à Istanbul, et là il se convertit à l'islam en 1860. Et donc là on voit bien aussi que de la part de Bourgade, c'est un peu un adversaire, puisque cela représente d'une certaine façon ce contre quoi il lutte. Hein. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Fares et Chidiac, comme Bourgade, a la conscience, a un intérêt pour les techniques modernes et pour la presse, et il va fonder donc un des principaux journaux, El Jawahib, à Istanbul, donc c'est un des titres de presse les plus importants dans le monde arabe, donc dans ces années 1870. Ici, pour conclure, simplement pour rappeler aussi peut-être quelques éléments sur l'héritage qu'a pu laisser Bourgade. Alors, ces architectures néo-mauresques ou néo-byzantines plutôt, donc montrent une certaine lourdeur, une certaine raideur qui pourrait aussi... C'est une façon d'illustrer, peut-être une façon un peu simpliste, hein, que le catholicisme qui s'impose à la fin du XIXe siècle est finalement beaucoup moins ouvert que celui qui est promu par Bourgade. Cela dit, hein, là vous avez l'image de la cathédrale de Carthage, donc avec Lavigerie comme archevêque de Carthage donc en 1883, Lavigerie qui est le fondateur des Pères Blancs, et les Pères Blancs au XXe siècle, ils vont fonder l'Institut des Belles-Lettres Arabes donc dans les années 1930 à Tunis, donc dans les années 1930, donc entre deux guerres, hein, vont d'une certaine façon retrouver, je pense, par certains aspects, les modes d'approche qui étaient défendus par l'abbé Bourgade. La mémoire qu'on en a aujourd'hui à Tunis, donc là je vous donne l'extrait d'un périodique publié dans les années 50 où on se souvient de l'école fondée par l'abbé Bourgade dans la Médina de Tunis au 19e siècle. Il y en a encore une trace aujourd'hui, hein, très ténue dans les mémoires, et on a des Tunisiens, hein, qui se sont intéressés à la fois à la biographie de la Gréhérie et plus récemment à cette biographie de l'abbé Bourgade.